They're gonna tell you you're gonna pay too high a price and try to convince you you gotta play it safe this time. They're gonna work you. They're gonna try to wear you thin. They wanna protect you and leave you trapped inside your skin. Holding back and pretending not to be what you wanna be, what you wanna be. Holding back and pretending not to be what you wanna be. Bonsoir à tous, merci donc d'être là. On accueille Rodolphe Barry donc, pour son dernier ouvrage « Devenir Carver » aux éditions Finitude. J'introduis juste pour dire qu'on a organisé cette rencontre en partenariat étroit avec le Master des métiers d'écriture. Voilà, donc c'est eux qui vont animer et c'est eux qui vont nous gratifier de quelques lectures en bilingue, je crois. Enfin, voilà. Et donc voilà, je vous remercie, bonne soirée. Merci à toi aussi. Est-ce que je parle un peu du master ou C'est quoi le master? Bon bah allons-y alors. Lance-toi. Tu dis que tu as écrit un livre avec Carver et non sur Carver, et donc ce n'est pas une biographie comme on pourrait l'imaginer. Donc qu'est-ce que c'est? Comment toi tu définis ton livre? C'est un livre d'écrivain sur un écrivain. Je trouve que le personnage principal de ce livre est Raymond Carver, un grand écrivain américain, dont j'ai voulu raconter l'histoire de sa vie et sa trajectoire. C'est pas une biographie au sens propre, ou parce que je ne suis pas biographe, je ne suis pas essayiste, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas entrepris le travail propre à la biographie, qui sera celui d'aller enquêter sur place, de glaner des informations, des interviews auprès de gens que Carver aurait connus. Ce n'est pas cette démarche-là qui m'intéressait, parce que bien souvent, quand ça se passe, c'est un peu vain, parce qu'il ne reste pas grand-chose, à la fois des gens qu'a connu Carver, de ses lieux d'enfance par exemple, il y a un supermarché aujourd'hui où il habitait, donc ça n'aurait pas eu un grand intérêt d'aller sur place. Et j'ai voulu, malgré tout, emmagasiner un matériau précis sur tous les événements de sa vie, les dates, les événements, mais aussi les lieux où il a vécu, les gens qu'il a rencontrés. Et avec tout ça, aménager, moi, me laisser une part d'imagination, une part de rêverie presque, où je puisse animer, c'est-à-dire donner du souffle à tout ça, donner le souffle de la vie à tout ça. Voilà. J'ai travaillé par exemple avec des photos, des photos de ses lieux d'enfance, son village natal, des photos dans les différents lieux où il a vécu, qui m'ont inspiré quand même, qui m'ont permis de donner des détails très justes. Donc je peux dire que dans ce livre, tous les lieux, les événements, les dates sont vérifiés, sont exacts, mais qu'en même temps, je me suis... c'est une vision personnelle de Raymond Carver, c'est une vision intime. Ouais. Et du coup... On se demandait si, justement, par exemple, des biographies, c'était un genre qui t'intéressait, même si ça ne correspond pas à ce que tu fais, si tu en lisais. Si... Bien sûr, ça me passionne. La vie des écrivains me passionne, parce que bien souvent, voilà, il n'y a pas de différence entre la vie et l'œuvre. Et là, on voit que c'est intéressant combien la part biographique intervient dans l'œuvre, combien tout ça est lié. Enfin, en tout cas, ce sont ces écrivains-là, moi, qui m'intéressent. Il y a des écrivains qui pourraient avoir une œuvre intéressante, mais dont la vie ne m'intéresse pas, ou est décevante à différents niveaux, à différents points de vue. C'est pour moi, ça perd un peu de valeur. J'aime bien les écrivains qui ont un engagement total dans cette aventure de l'écriture. Évidemment, il n'y a pas de différence entre la vie et l'œuvre. Et donc du coup, nous, par rapport à ce qu'on fait, donc en tant qu'aspirants écrivains, on se disait aussi que ce livre, c'était presque un manuel pour apprenti écrivain. Et on se disait, mais laissez tomber tous les bouquins qui vous disent comment écrire au moins et tout, et lisez Devenir Carver. Bah comme l'a été pour moi la découverte de son essai sur l'écriture, c'est pas de l'écriture, qui était une sorte de bréviaire, de manuel de l'écrivain, où tout ce qui est dit est vraiment, sont des conseils très précieux qui m'ont été utiles. Et finalement, c'est ce que j'ai aussi voulu restituer en écrivant ce livre, parce que sa conception de l'écriture
voilà, est très proche de la mienne et comme la mienne. Donc j'ai voulu aussi voilà, que chacun puisse puiser aussi des conseils ou des détails comme ça sur la vie de l'écrivain. Ça, c'est important pour moi. Il y a eu Lettre à un jeune poète, pourrait être Lettre à un apprenti écrivain. C'est ça. Et je pense que ce qu'a dit Raymond Carver sur l'écriture pourrait faire gagner du temps à bien des jeunes écrivains, des gens qui voudraient écrire aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses essentielles qui sont dites sur l'écriture, voilà, qui permettent de s'y mettre un peu plus rapidement, d'éviter certains écueils qu'on rencontre quand on commence à écrire, parce que c'est souvent le cas. Et donc, tu me disais ce matin que c'était aussi pour... parce qu'en France, en fait, il y avait assez peu d'infos sur lui. Moi, quand j'ai découvert Raymond Carver, il y avait très très peu de choses, quelques articles de temps en temps dans Télérama, au gré des parutions. Mais c'était toujours les mêmes informations, quel que soit le journaliste, quel que soit le journal finalement, qui était repêché. Hein. Il y a quelques infos, une bio très, 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 très courte, et puis des détails toujours les mêmes mots, et très pauvres. Et évidemment, moi, quand j'ai découvert sa vie et la richesse de sa vie, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Surtout, j'ai pensé qu'il était un petit peu, on n'avait jamais rendu compte de la richesse de son œuvre, de sa vie et surtout de sa capacité à évoluer, de sa trajectoire d'écrivain. C'est quelqu'un qui a commencé dans un milieu modeste, qui a vécu toutes sortes de boulots jeunes, enfin, on connaît un peu son histoire, mais ça va au-delà de ça. Il y a eu toute une dimension spirituelle à la fin de sa vie qu'on ne connaissait pas du tout en France. Sa capacité au travail, une capacité énorme de travail, on n'en a jamais parlé alors que c'est un écrivain qui a vraiment apporté quelque chose à ce niveau-là. Jamais j'ai rencontré, si je puis dire, quelqu'un qui travaillait autant ses textes, qui pouvait écrire 50 versions d'un même poème, sans se lasser, en cherchant toujours à progresser, à faire progresser. Et finalement, ça, on ne le connaissait pas. Souvent, c'était voilà, Raymond Carver, écrivain, milieu modeste, alcoolique, les petits boulots. Et puis voilà, il rencontre la reconnaissance à la fin de sa vie. Et ça, c'était vraiment pauvre, quoi. Parce que même dans sa vie, ses rencontres, ses lectures, c'est quelqu'un, par exemple, d'une très grande culture. Ça, on ne le sait pas. C'est toujours un peu le bouseux d'Américain, mais pas du tout. Toute sa vie, il n'a cessé d'écrire et de lire beaucoup, énormément, et dans différents domaines, dans l'histoire. Il lisait des Français. C'était un grand fan de Flaubert, de Maupassant. Il venait en France, il voulait aller sur les tombes de Flaubert et de Maupassant, avant toute chose. Baudelaire, évidemment, Camus, il portait son blouson d'aviateur en cuir parce que ça lui donne un petit air d'Albert Camus. Enfin, c'est quelqu'un qui était ouvert comme ça sur une grande culture et des lectures très fines. Il écoutait de la musique classique, par exemple, pas seulement du blues ou du Bob Dylan, ou il écoutait Poulenc ou Gabriel Fauré, par exemple. On n'imagine pas ça forcément de Raymond Carver. En France, ça n'avait jamais été dit. Et je trouve que ça gommait vraiment une grande part de la finesse et de la subtilité de Raymond Carver, qu'on retrouve finalement dans son travail, parce que tout ça procède de la même exigence, de la même recherche d'intensité et de simplicité à la fois, et d'intensité et d'émotion. Hein. Il voulait toujours transmettre des émotions, c'était le grand truc, écrire. Et puis si les gens ne reçoivent pas d'émotions, ça n'a aucun intérêt pour lui. Il voulait toucher le lecteur. On doit communiquer, toucher le lecteur, lui transmettre des émotions. C'était vraiment essentiel, il voulait rentrer en contact. Il disait toujours, il écoutait Edith Piaf, il disait, je ne sais pas ce qu'elle dit, je ne la connais pas du tout, mais quand elle chante, elle me touche, ça me va droit au cœur. C'est de Mozart, c'est un mec qui a vécu il y a 2 siècles. Voilà, j'entends 3 notes et tout de suite, ça me touche. Il disait que c'est qu'ils ont réussi quand même à transmettre quelque chose à travers leur art, qui est universel, puisque 2 siècles après, dans une toute autre culture, on reçoit ça, on est ému. Donc c'est ce qu'il voulait faire. Voilà. Et ça, c'est beaucoup de travail. Oui. Pour arriver à ça, il a tout de suite su que ça passait par le travail. C'était pas donné comme ça, naturellement. Il faut un don, mais pas tout de suite, comme ça, d'un premier jet, on n'allait pas... Non, ça passe par le travail. Tout passe par le travail, pour arriver à cette finesse et à cette subtilité. Ouais. On va en parler de travail. Oui, justement. Moi, j'avais une question par rapport au rituel d'écriture. Alors, dans Devenir Carver, il est dit, page 125, je vais essayer de le trouver. Ray écrit le premier jet de 2 nouvelles. Sa façon de faire est la même depuis le début. Il écrit rapidement, sans s'arrêter, sans se soucier des détails. Il fait une croix dans les marges pour laisser un au revoir et avance. Une fois la structure en place, il dactylographie le texte pour y voir plus clair. Après 3 ou 4 versions, la nouvelle tient debout. Le plus difficile commence. Voilà.
Et je voulais savoir justement si il y avait des rituels, enfin, comment vous travaillez Moi personnellement. Oui, oui. Vous personnellement. Oui. Lui, il écrivait à la main, hein, il écrivait à la plume, donc c'était autre chose. Moi, j'écris à l'ordinateur. Donc lui, évidemment, il amassait tout de suite beaucoup de feuillets, c'était surchargé, il était obligé de réécrire. D'ailleurs, quand arrivé, il en parle dans les années 80, les premières machines à écrire qui enregistraient. Et ça a été une révélation pour lui, parce qu'à la fac où il travaillait, il y avait une secrétaire qui lui tapait ses textes, et tout de suite, elle lui enregistrait ses corrections. Il avait un feuillet propre, prêt à travailler. Il disait, j'ai gagné un temps fou, parce qu'il se trimballait les corrections de corrections. Il fallait qu'il réécrive tout à la main. C'était vraiment... il perdait un temps, vraiment, sur l'écriture elle-même. Hein. Moi, j'écris à l'ordinateur, même si je travaille toujours avec un cahier, où je note tout ce qui me vient par la tête, des idées. Quand je lis, je note une expression. Quand je lis un article, tout vient alimenter mon travail d'écriture. Ou à la télévision, j'entends un mot que je cherchais, auquel je ne pensais pas, je le note. Je lis un livre où il y a un mot qui me plaît ou un petit passage, je le note parce que c'est susceptible de me nourrir et peut-être, je ne sais pas, mais d'intervenir dans mon texte. Je sens qu'il y a quelque chose à exploiter. Donc je travaille à la fois à l'écrit avec un crayon de papier et à l'ordinateur où je corrige beaucoup sur l'ordinateur. C'est-à-dire je fais un tirage papier que quand je sens que c'est un peu en place. Même si, comme Raymond Carver le pensait, je pense que quand on croit en avoir presque terminé, quand on pense que le texte est en place, qu'on a tout, ben je crois que en fait c'est là que le travail commence. C'est là qu'il faut surtout pas lâcher et dire c'est là, ça c'est un premier jet et je vais devoir faire progresser ce texte. On pourrait dire allez c'est bon, je passe à autre chose, mais non, c'est ce qui fait la différence entre ce qui fait progresser un texte, à mon avis, de passer d'un niveau moyen à ce qui peut devenir vraiment intéressant, c'est le travail qui va commencer à ce moment-là où on pense en avoir fini. Et Raymond Carver, après 10, 20, 30 versions, remisait ses nouvelles ou ses poèmes dans un tiroir, il passait à autre chose. Il laissait passer un peu de temps, comme décanté, et après il revenait, un peu la tête froide pour avoir oublié un petit peu, il corrigeait encore jusqu'au dernier moment. Ça passe par des corrections successives, comme ça. Voilà. Et du coup, pour ce livre, Devenir Carver, qui est quand même un assez conséquent ouvrage, est-ce qu'il y avait un plan de départ, ou est-ce que... Vous avez écrit un scénario, est-ce que vous avez pris des repères, par exemple Je connaissais l'histoire de sa vie, je pouvais la respecter, hein, c'était mon devoir, je ne pouvais pas inventer, oui. Je connaissais voilà, il est mort à 50 ans, donc ça c'était le grand repère, oui. Et voilà, je fallait que je raconte son histoire. Au niveau narratif, j'ai commencé par la fin, parce que je me suis dit, à quoi pense un homme quand il sait qu'il va mourir, quand on lui annonce qu'il est condamné, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. J'essaie de comprendre ça. Et voilà, et je pense que dans ces moments-là, on pense à l'essentiel, à ce qu'on a vécu, aux gens qu'on a rencontrés, aux gens qu'on a aimés, qu'on a croisés. Et je pense que c'était assez crédible de penser qu'à ce moment-là, il allait faire une sorte de voyage à reculons pour retrouver un petit peu certains lieux qu'il n'avait pas vus, qu'il voulait revoir une dernière fois, aller dire au revoir à certaines personnes qu'il aimait. Et ça a été un petit peu l'occasion de le renvoyer sur les lieux de son enfance et de repartir, voilà, comme une sorte de flashback au cinéma sur les endroits de sa jeunesse, et après de repartir jusqu'à la fin, c'est-à-dire faire une boucle, le retrouver à la fin du livre, dans les derniers moments de sa vie. Donc ça fait vraiment une boucle comme ça, et c'est synchrone. En fait, c'est une seule temporalité, voilà, mais qui est un petit peu déconstruite. D'accord. Légèrement déconstruite. Et du coup, je voulais vous parler de vos sources, donc surtout des photos apparemment, et surtout sur son œuvre. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Oui, j'ai fait venir des livres qui existent aux États-Unis qui ne sont pas traduits, notamment un livre d'entretien qui était important parce que c'est une anthologie depuis sa première interview alors qu'il était inconnu. Son premier livre et jusqu'à sa dernière interview qui est parue après sa mort, c'est ce que j'ai gardé dans mon livre parce que voilà, il y a un décalage entre la parution de l'interview et sa mort. Il est mort peu de temps avant, donc il continuait à nous parler finalement, même s'il n'était plus là. Donc ces documents ont été très intéressants parce qu'ils montraient l'évolution de son travail et en même temps l'évolution de sa vie, où il était, dans quelle état psychique il se trouvait. Enfin, ça montrait vraiment un petit peu l'évolution de sa vie. Plus, évidemment, j'ai lu, il y a un témoignage de sa première femme, Marianne, qui a écrit les souvenirs de leur mariage. D'accord. C'est pas un livre d'une grande importance littéraire, mais un témoignage sur ses années avec Raymond Carver.
Donc ça, évidemment, ça m'a permis de glaner des informations, des détails, des choses précises. Et puis surtout, ça m'a confirmé des intuitions que moi j'avais. J'avais besoin parfois de sentir ça confirmé. Et là, je me suis dit, c'est bon, je peux y aller. Je ne me suis pas souvent trompé, j'étais vraiment en phase avec lui, je dois dire. Donc voilà, un maximum de choses, j'ai fait venir... évidemment, bien connaître son œuvre, des interviews, des photos. Il a écrit un texte sur son enfance où il revient sur les lieux de son enfance dans un livre qui est paru il y a quelque temps. Un livre de photos avec une longue lettre qu'il écrit à un photographe qui veut faire des photos et qui a fait des photos sur tout son parcours. Ça s'appelle Le Monde de Raymond Carver. Donc, je me suis vraiment immergé dans cette époque, dans ces lieux, vers les images, pour retrouver ça. Et après, des recherches grâce à Internet sur... des choses précises. Je sais que l'église à Yakima, je sais comment elle s'appelle. Je sais comment s'appelle s'appelait à l'époque l'équipe de baseball qu'il allait voir. Ça, c'était des petits détails qui se devaient d'être vrais. Je ne pouvais pas les inventer. Parce que j'ai un droit moral de dire la vérité là-dessus. Je ne pouvais pas inventer. Donc voilà, glaner des petites informations qui créent un climat qu'on sent véridique. C'est important, qu'on sent crédible. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, qui sont là. C'est important d'avoir une structure comme ça. Du coup, la part d'invention, elle est où? Parce qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de conversations téléphoniques, donc Alors, comment elle démarre Il fallait que je trouve le ton, que je trouve sa voix en quelque sorte quand il parle, c'est moi qui parle, il fallait que je trouve son ton, que je me mette dans la peau du personnage, de ses nouvelles, voilà, pour réussir à traduire ce que pouvait sentir, mais évidemment que les dialogues, c'est beaucoup moi qui les ai écrits. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait dire à ce moment-là? Une immersion, ouais. C'est beaucoup de dialogues, parce que les dialogues permettent à la fois de faire avancer la narration et en même temps de renseigner sur l'état psychologique. Ça, c'est très important, ça fait gagner du temps dans un livre qui raconte toute une vie. En un dialogue, il peut dire donner beaucoup d'informations et ça renseigne sur son état psychologique. Donc ça, c'était important pour moi de temps en temps de caser des dialogues. J'ai aussi pris des bribes que j'avais de lui, évidemment, que j'ai mêlé, ou que j'ai enrichi, ou que j'ai fondu, moi, parfois dans ma narration. Parce que ces entretiens-là dont je parle, il y a des phrases sur l'écriture qui sont de lui, que j'ai repris de lui, que j'ai fondu soit dans des dialogues, soit dans ma narration. Ou par exemple, il y a un moment, il va faire une conférence sur l'écriture, et là il y a une grande part de ce qu'il a dit lui que j'ai pris en changeant un petit peu, je dirais presque en améliorant, parce que lui il l'a dit à l'oral, donc ça a été rapporté comme ça par un journaliste. Donc moi j'ai essayé de revoir un petit peu tout ça pour que voilà, que ce soit encore plus crédible, si je puis dire, plus vrai que ce qu'il a dit lui. Ouais, c'est vrai, et d'enrichir un petit peu. Et puis, mais c'est quand même la parole qui est le fondement de ces dialogues. Je tiens à signaler que pour ceux que ça intéresse, ces entretiens inédits de Raymond Carver vont paraître enfin en France au mois de juin. Il y a encore certainement des choses à apprendre de Raymond Carver. J'ai pas tout dit, il y a certainement beaucoup d'autres choses. Et juste une dernière question. Vous avez un nouveau projet d'écrire sur un autre écrivain. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Il y a un autre écrivain que j'aime beaucoup depuis longtemps, dont j'ai lu un livre qui m'avait vraiment, qui a été une commotion, qui s'appelle James Sadji, et le livre s'appelle « Louons maintenant les grands hommes ». C'est un journaliste, à l'époque il a 26 ans, je crois 25-26 ans, qui a été faire un reportage pour un journal américain dans les années 50, dans le sud de l'Alabama, sur les petits blancs pauvres. Il était envoyé pour faire un article, il a vécu là-bas sur place, ça a été un tel choc pour lui, qu'il s'est mis à écrire son article, et il est revenu en fait avec un livre de 400 pages, 400 feuillets même, je dirais, tellement il s'est immergé dans ce monde et tellement ça l'a bouleversé. Il a une langue, nul autre pareil, vraiment encore un écrivain singulier. C'est chaotique, mais c'est digne de Rimbaud, c'est un choc. Enfin, ça a été un choc, et il se trouve que, voilà, encore une fois, je suis allé voir un peu plus loin que ce livre, et que tout ce qu'a écrit cette personne est du même niveau, et malheureusement, encore une fois, pas connu en France. Pas trop connu en France, et toute son œuvre n'est pas traduite malheureusement, donc ça fausse un peu la donne. C'est quelqu'un qui a une vie incroyable, qui est mort à 45 ans dans un taxi à New York, alors qu'il venait d'écrire la mort de son père, qu'on a retrouvé sur son bureau, comme s'il était mort juste après avoir raconté cette histoire, parce que
Il avait perdu son père très jeune, et ça a hanté toute sa vie. Donc c'est vraiment une vie, encore une fois, une grande intensité. Voilà, la vie, l'amour, la mort, à fond. Marié 3 fois, des enfants, et puis dévoré par un feu, par une intensité, et l'alcoolisme, encore une fois, mais arriver à transmettre ce qu'il voyait, et qui, voilà, c'est vraiment un pur écrivain, vraiment, une sorte de saint de l'écriture. Donc voilà, je me suis tourné vers ce personnage. C'est un autre projet, une autre écriture, une autre culture, une autre histoire. Et je voudrais tout, voilà, écrire à propos de cet homme. On va faire une lecture de la fin d'une même nouvelle, mais dans 2 versions différentes. Donc, une des versions, le titre de la nouvelle, c'est Débutant. L'autre titre, c'est Parlez-moi d'amour, Nick. What we talk about when we talk about love. C'est la classe. Je vais commencer par Débutant. Et je vais juste... Peut-être que tu peux expliquer pourquoi les 2 versions. Oui, alors parce que, bah justement, c'était pour en parler ensuite, parce que c'est... la première, celle que je vais lire, c'est la version du manuscrit de Carver, qui, après être passé dans les mains de son premier éditeur, a été raboté et vraiment transformé. Et donc, on voulait aborder avec toi la différence entre ces deux versions et peut-être le rôle de l'éditeur, qui est différent, je crois, aux États-Unis qu'en France, qui a presque rien à voir. Et c'était pour voir un peu concrètement ce que Lisch avait... Lisch, c'est donc le nom de l'éditeur, ce que Lisch avait fait. Donc je vais lire un extrait un petit peu long. Mais... J'eus le sentiment qu'il allait se produire quelque chose. C'était dans la lenteur des ombres et de la lumière, et que l'événement, quel qu'il soit, m'emporterait avec lui. Je n'avais pas envie que cela se produise. Je regardais le vent se déplacer en vagues à travers les herbes. Je les voyais dans les champs se courber puis se redresser. Le deuxième champ montait en pente douce jusqu'à l'aéroport, jusqu'à l'autoroute, et le vent le gravissait vague après vague. Debout à la fenêtre, j'attendais en regardant les herbes se courber dans le vent. Je sentais mon cœur battre. La douche cessa de couler. Au bout d'une minute, j'entendis siffler et Herb ouvrit la porte de la salle de bain. Je continuais de regarder les femmes à table. Terry pleurait toujours et Laura lui caressait les cheveux. Je me retournais vers la fenêtre. La bande de ciel bleu avait cédé à présent et virait au noir comme le reste. Mais des étoiles étaient apparues. Je reconnus Vénus et plus loin, moins brillante, mais bien reconnaissable à l'horizon, Mars. Le vent avait forci. Je regardais ce qu'il était en train de faire au champ désert. Je me mis à regretter déraisonnablement que les McGuinness n'aient plus de chevaux. J'avais envie d'imaginer des chevaux galopant à travers ces champs dans l'obscurité presque complète, ou même tranquillement dressés près de la clôture, la tête tournée, chacun dans une direction différente. Debout à la fenêtre, j'attendais. Je savais que je ne devais pas bouger pendant quelques instants encore, qu'il me fallait garder les yeux fixés en dehors de la maison, sur l'extérieur, tant qu'il y resterait quelque chose à voir. Et nous qui va lire la version de Lisch, forcément. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase là, j'entendais mon cœur battre. Je sentais encore battre. Et donc, Lisch, il répond. Lisch Carver. J'entendais battre mon cœur. J'entendais nos 4 cœurs. J'entendais le bruit humain qui nous faisions, assis là, sans qu'aucun de nous ne bouge, même lorsque l'obscurité envahit la pièce. I could hear my heart beating. I could hear everyone's heart. I could hear the human noise we sat there making. Not one of us moving. Not even when the room went dark. Alors, il y a tellement de beauté dans ces... Mais on s'est demandé, ça vient d'où? En fait, ces dernières phrases... Pas dedans, on ne retrouve pas dans le... Est-ce que c'est l'invention de Lisch ou c'est les corrections de Carver? Mais... En fait, dans la version originale, on va dire, on a « Je sentais mon cœur battre ». Et qui est la fin de la version de Lisch, à peu près. Je sentais mon cœur battre, j'entendais nos quatre cœurs, j'entendais le bruit humain que nous faisions assis là, sans qu'aucun de nous ne bouge, même lorsque l'obscurité envahit. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, la fin de la nouvelle, il reste encore 2 paragraphes.
et que ce qu'on trouve, alors peut-être c'est un problème de traduction, mais on ne retrouve pas ces mots-là. Alors déjà, bon, c'est vrai que la version tronquée est belle aussi, mais ouais, n'a plus rien à voir. Alors, c'est ça le problème. Et concrètement, qu'est-ce que Lich il a voulu mettre en valeur dans les nouvelles de Carver? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il voulait prendre le contrôle. C'était important pour lui de montrer qu'il avait le pouvoir et de maîtriser un peu Carver. Carver était très très vulnérable. C'était le premier livre qui était publié. Et il regardait Lich comme un grand Manitou qui tenait dans sa main un petit peu son destin. Donc il ne pouvait pas trop la ramener. Il était déjà tellement content qu'on s'intéresse à son travail. Donc c'était douloureux pour lui. Lich a voulu vraiment prendre le truc en main et imposer toutes ses coupes. Parce que voilà, il pensait lui qu'il était dans cette conception de l'écriture où il ne doit y avoir aucune notation psychologique. Tout doit venir de la phrase, mais ça doit être sec. Pas de notation psychologique, pas de détails, pas deux adjectifs. Vraiment l'essentiel, vraiment je dirais le squelette. Hein. Et Carver, lui, il est pour une économie de moyens, mais il aime bien aussi des fois donner des détails. C'est pas si pauvre que ça. Donc c'était une guerre entre les deux, l'autre voulait raboter et Carver se battait pour imposer que ce soit un peu plus long. Et des fois ils sont arrivés à des compromis un peu bâtards finalement. Et je pense que ça a un petit peu desservi son travail. Ce que je pense, mais alors c'est encore plus retors, c'est que la version qui est donc originale, qu'on connaît depuis peu de temps, soi-disant originale de Carver, moi je pense qu'elle a été tout de même un peu retouchée par Tess Gallagher. Donc ça fait une troisième personne qui sait mieux que finalement les autres ce que Carver a voulu faire. Et je crois que c'est une version originale, mais qui a été quand même revue. Donc c'est compliqué, hein, toutes ces versions. Hein. Le grand dilemme, c'est, on dit toujours, mais qu'est-ce que vous préférez, la version Lich ou la version Carver? Je vais passer finalement la question. Non, mais, voilà, chacun peut préférer une version ou l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si Lich était un sale bonhomme, vraiment, c'était un enfoiré parce qu'il voulait contrôler, c'était un pervers. Il voulait vraiment faire une marionnette de Carver. Il jouait un petit peu sur cette vulnérabilité. Ça, c'est pas chouette. Mais il l'a sans doute aussi gardé, puisque son livre, quand il est paru, il a eu du succès, il a une reconnaissance critique. On a dit, mais c'est un nouveau ton, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est ambigu, quand même. On peut préférer, alors aujourd'hui, la version plus généreuse, disait Carver, de ses nouvelles. Mais pour beaucoup de Carveriens, la version, finalement, il y aura aussi des choses à retirer de la version originale. Donc il aurait fallu finalement faire un mixte entre les deux, ce qui n'a pas été le cas. L'autre c'était radical, c'était comme il voulait, et on a la version non corrigée, finalement non révisée de Carver. Et je pense que l'idéal, comme souvent, aurait été une collaboration qui permette de donner le meilleur de ces deux versions. Je pense que ça aurait été l'idéal. Mais ça n'a pas empêché Carver, en écrivant comme il le souhaitait, de continuer à avoir du succès et d'être heureux comme ça. Et la première version de Lich a reçu un très bon accueil critique. Donc, que dire? Parce que ça a amené une confusion. Aux États-Unis, les éditeurs, à l'époque, sont un peu comme dans le cinéma, où on dit que les producteurs ont le final cut. C'est-à-dire que c'est au montage, c'est eux qui décident. Ben, Lich, il avait le final cut. C'est-à-dire que ça passait par lui et il avait le dernier mot. Donc c'était difficile pour Carver. Mais très très difficile. C'est comme si Van Gogh, on lui remettait une petite touche de peinture, on transformait le portrait, son autoportrait, avec un petit truc en disant « c'est pas bien là, faut gommer ça ». On imagine? Il le vivait comme ça, hein, Carver, on touchait à son art, on dénaturait vraiment ce qu'il avait de plus précieux, de plus intime. Il disait « le meilleur de ma vie dans ses nouvelles, on vient le saboter », c'est comme si on lui mettait des coups de scalpel. Quoi. C'est terrible. Est-ce qu'il y a une confusion du coup sur la réception au début de l'œuvre de Carver, qui on dit le pape du minimalisme. Oui, alors le pape du minimalisme. Oui, mais il n'aimait pas du tout. Non, parce qu'il n'a jamais employé ce mot-là. C'est qu'un journaliste, une fois, qu'a dit, mais vous avez inventé un mouvement, un genre qui serait le minimalisme. Il a dit, mais pas du tout. J'avais horreur de ça, ça le mettait en colère, parce qu'il disait, c'est tout le contraire. Minimal, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a peu de mots, il y a peu de sentiments, il n'y a pas grand-chose, c'est petit. Il dit, moi, j'essaye de faire le tout le contraire. Alors, pas maximaliste, mais il disait, moi, je suis précisionniste. Il tenait à ça, c'est-à-dire dire les choses les plus subtiles en un minimum de mots. Et ça, c'est du grand art. Hein. Chaque phrase doit avoir l'intensité, la charge d'un bâton de dynamite. Et ça, c'est pas minimaliste. Hein. Donc,
Voilà. Sur Lish. Lish qui est finalement aussi un écrivain raté, qui révèle être écrivain, qui ne l'a jamais été, qui a écrit quelques livres qui ont été traduits en France, qui sont mauvais. Et c'est vrai, je le dis sans. Et je pense qu'il vivait à travers Carver un petit peu par procuration, il aurait voulu que ce soit lui, mais ce n'était pas lui. Mais juste pour acheter sur la réception, c'est vrai que ça dépend de par quoi on commence à lire Carver. Moi j'ai commencé par les vitamines du bonheur. Oui, on n'avait pas le choix, suite, avec ouais, on ne connaissait que cette version. Hein, oui. Il a fallu attendre 20 ans pour savoir que, même si on savait qu'il y avait toute cette histoire avec Lish, mais pour lire les originaux, il a fallu attendre tout ce temps. Ça arrive quelquefois où il y a des versions comme ça qui reparaissent, et, alors que dire, hein, quand vraiment c'est mauvais, et puis tout d'un coup ça apporte quelque chose de nouveau, ça transforme. Là c'est délicat parce que ça peut être ambigu. Aux États-Unis, il y a des grands écrivains dont Don DeLillo, je pense... plus lesquels qui, eux, pensaient que c'était une mauvaise chose que paraissent les nouvelles originales de Carver, que ça le desservirait. Il y a eu deux clans comme ça. Donc après, voilà. En tout cas, on peut s'en servir comme un document et montrer un peu ce qu'un éditeur peut faire, et puis après choisir finalement ce qui nous convient mieux. Voilà. Du coup, ça, on voit pas ça tellement en France, les éditeurs qui... Non, c'est sûr que les éditeurs en France, il y en a quelques-uns qui font bien leur travail, mais ça n'existerait pas en France. Bien sûr, moi je l'ai dit ce matin, je connais de grands écrivains qui donnent leur manuscrit et qui le manuscrit est publié tel quel. L'éditeur ne touche même pas une virgule, ne va même pas lire, et tout ce qui est publié, c'est comme ça. Donc, ou peut-être une histoire de titre simplement pour le côté commercial, d'accroche. C'est tout ce qu'ils vont négocier. Alors parfois c'est un petit peu, ça mériterait, je pense que tout écrivain mérite d'avoir un coup d'œil extérieur sur son travail, ça c'est sûr. Alors je ne connais pas tous les éditeurs, mais moi j'en connais où vraiment ça se passe comme ça, on remet un manuscrit, on retrouve son livre, il était, même chez des grands. Et là on se rend compte des fois en se disant, mais là quand même il y a un problème de ponctuation, ça, c'est évident. Peut-être le mot, là, il y a une répétition à deux lignes de distance. Ça aurait été peut-être mieux de changer cet adjectif, par exemple. Mais, voilà. Les éditeurs vont peut-être souffler des fois des idées pour le scénario, je dirais. Hein, parce que beaucoup de livres aujourd'hui sont des scénarios de téléfilms. Hein, c'est des petites histoires, donc c'est l'histoire qui compte, c'est pas l'écriture. Donc on va dire, non, il faut une fin plus heureuse, ou c'est trop noir, ça se vendra pas, ou change ça, le personnage, il n'est pas assez glamour. Ça va être des remarques comme ça, toujours dans une idée commerciale, mais pas au niveau de l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains qui espèrent simplement que leur livre soit adapté sur France 2. Pour eux, c'est la gloire. Donc il faut écrire déjà cinéma, et... Ouais, il y a des grands écrivains qui sont partout et qui se vendent de ça en disant j'aimerais que ça soit adapté. D'ailleurs, je l'ai écrit un petit peu à la manière d'un scénario. Là, tu tombes de ta chaise en disant tout est dit, quoi. Écris un scénario, puis vends-le à France 2 ou à TF1. Mais ne fais pas un livre en te faisant passer pour un grand écrivain, parce que tout ce que tu souhaites, c'est que José Dayan réalise ton film. C'est dit, quoi. Philippe Besson, pourquoi non. Ah oui, parce qu'il prend la place dans les médias comme si c'était un grand, et puis finalement il fait des livres tous les ans en espérant simplement ou que ce soit adapté au théâtre parce qu'il écrit que deux dialogues dans le truc, ou au cinéma, même pas au cinéma, à la télévision, c'est tout est dit, quoi, vraiment. On le salue bien. Je n'ai pas le seul, hein. Alors moi je voulais plus me centrer sur le style que tu as développé dans Devenir Carver. Déjà cet usage du présent, moi ça m'a bouleversé. Je vais juste lire quelques lignes pour que ceux qui n'ont pas lu le livre. Ray contemple le détroit de Juan de Fuca. Le ciel est dégagé, l'île de Vancouver se dessine à l'horizon. Ses larges épaules se mettent à trembler. Il pleure. Sans larmes, mais il pleure. Il a besoin de s'accorder un moment, de reprendre pied. Le rythme du ressac est apaisant. Il se souvient de son premier hiver passé ici, des élans de liberté,
de l'enivrement de la solitude. C'était hier. Ces 10 dernières années ont filé comme un film passé en accéléré. Il y a aussi très peu de descriptions finalement dans l'écriture, mais on arrive quand même à bien visualiser. Je sais pas, quand j'ai lu le livre, j'avais l'impression que j'étais là sur les lieux avec Carver, caméra à l'épaule. Et est-ce que. Je me demandais si les études de cinéma ont influencé ce style d'écriture ou si c'est pas du tout ça, si c'est juste un ressenti. Peut-être inconsciemment, oui, je peux pas dire le contraire. J'ai été nourri par le cinéma moi-même, par longtemps cinéphile, donc peut-être qu'il y a des narrations aussi, hein, un film et des styles. Pour le présent, par exemple, c'est simple, on est tout de suite avec lui. Il y a pas de séparation, il y a pas de distance. Hein, c'est en direct avec lui. Et ça, c'était important pour moi qu'on le lâche pas. Donc ça, le présent s'est imposé. Parce que imaginez le passé simple, oui, ça crée déjà littérairement une distance, oui, oui, et en plus, même à l'oreille, après, j'aurais eu des problèmes. Là, c'est direct, on est avec lui, on le suit, on ne le quitte pas. Donc peut-être que le cinéma m'a influencé, mais pourquoi pas. J'y ai pas pensé, mais pourquoi pas. Je pense qu'on est nourri par ce qu'on voit, forcément, ce qu'on lit, ce qu'on entend. Il y a peut-être aussi de la musique, je ne sais pas, on écrit au rythme, hein, donc ce qu'on écoute peut aussi nous influencer. C'est tout ça qui nourrit dans un creuset et puis qui donne ça. Il se trouve, en y réfléchissant, qu'un des artistes dont je me sens le plus proche, tout art confondu, c'est Maurice Pialat, le cinéaste Maurice Pialat. Et il se trouve, en y réfléchissant, là, qu'évidemment, il a cet art de filmer les gens comme ça, en direct, et de les saisir et de ne pas les lâcher. Donc peut-être que voilà, j'ai transposé, recherché cette intensité, en tout cas, par l'écriture, et que j'ai choisi ces moyens pour essayer d'y arriver, pour essayer. Et juste, il y a aussi une petite question concernant la structure de l'ouvrage. Je vais montrer vite fait, mais vous voyez, il y a des successions de chapitres qui sont très courts, et puis d'autres qui sont beaucoup plus longs. Et on a l'impression que certains paragraphes, avec la disposition, c'est assez fragmentaire. Est-ce que, comment a-t-il dépensé le découpage? Est-ce que c'est... C'est l'éditeur ou... Oui, non, voilà. Non, c'est moi. En fait, c'est une succession de tableaux. Oui, d'accord. Hein, j'ai pensé à ça, des tableaux, parce que quand on raconte la vie d'un homme depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie, au niveau du temps, c'est très très difficile. On a souvent vite des redites, hein, des choses qui reviennent sur le temps pour faire progresser la temporalité. Enfin bon, c'est un peu technique, mais donner des dates pour savoir où on en est, ça peut être un peu rébarbatif. Moi, j'ai fait des cuts, en fait, finalement, comme des tableaux, et des sortes d'ellipses, ou peut-être au cinéma, des fondus au noir, une ouverture, vous voyez, où on sent qu'il y a une ellipse temporelle, on retrouverait, on a avancé un petit peu, parce que je ne pouvais pas, je le lâche pas une seconde, mais dans une vie, je suis bien obligé de le lâcher de temps en temps, parce que au jour le jour, au quotidien, il faudrait un livre de 10 000 pages pour raconter ça. Donc je suis de temps en temps obligé, au gré des événements importants, des déménagements, quand il y a une saute de lieu. Oui. Quand voilà, je me permets de fermer un tableau pour en ouvrir un autre au moment où ils emménagent, par exemple. Vous voyez, c'est ces histoires de se déplacer et surtout de garder un rythme. Ça permet de garder un rythme comme un rythme de montage, finalement. Hein? Parce que c'est important qu'on ne se lasse pas et que tout de suite on soit entraîné pour lire la suite. Voilà, c'est une question de rythme, surtout sur l'ensemble de l'ouvrage. Voilà. Et quand, par exemple, sur un petit chapitre, il y a juste 4 lignes de dialogue, j'ai essayé que dans ces 4 lignes de dialogue, on apprenne des choses sur son état psychologique et sur où il se trouve, ce qu'il fait, et qui nous renseigne sur, à cette époque-là, comment il a évolué. Voilà, j'essaie que ça apporte aussi des informations, au-delà de celle de lieu ou de temps. Voilà. Je me demande justement si ce traitement en tableau court, justement, c'est pas ça qui permet cet aspect hyper visuel du livre, malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de... Peut-être, ouais, j'espère. J'ai pas voulu encombrer non plus parce qu'il fallait avancer. Hein. Oui. Il faut que ce soit lisible, qu'on soit emporté. Donc pour ça, il faut que la phrase soit rythmée, soit lente, soit assez brève parfois, ou c'est une alternance de phrases brèves, et qu'il y ait vraiment un rythme. Hein. Et pour ça, c'était important qu'on ait toujours envie de savoir ce qui va se passer dans sa vie, comment il va s'en sortir, au gré de ses galères. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on reste un peu sur cette notion de temps. Alors, j'ai pas vraiment de questions, j'ai juste des impressions de lecture.
Et c'est pas encore complètement démêlé dans ma tête. C'est le temps, on a essayé. Oui, on a essayé, mais c'est pas très simple. En fait, je pense que justement sur ce traitement du temps, il y a énormément de choses en même temps dans le livre. C'est-à-dire qu'on a, par exemple justement des scènes donc écrites au présent où on visualise très bien le moment et l'endroit, et en même temps, on n'arrive pas à savoir si c'est juste un moment à telle date, telle heure, ou si c'est quelque chose qui s'est passé plein de fois. Par exemple, les disputes avec Marianne. On peut très bien les imaginer se disputer dans leur cuisine, et comme un moment précis, et en même temps, on se dit que c'est quelque chose qui a eu lieu plein de fois. Oui, je comprends, mais il se trouve que ces scènes, parfois, elles ont une force, mais on peut se dire que oui, elles ont pu se répéter, parce qu'il y a toujours une sorte de répétition chez Carver. Il est comme pris dans une ornière. Alors, il y a des choses qui peuvent revenir fréquemment. C'est des ménagements, c'est des engueulades avec sa femme. Enfin, il ressasse toujours les mêmes problèmes. Il y a un côté comme ça, un peu en tourne en boucle, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Vraiment, il patine. Et peut-être c'est ça que j'ai voulu rendre. Alors parfois, ça va une fois, mais ça peut être aussi, on se dit, ouais, ça revient sans cesse. On m'a souvent dit, mais il se passe pas grand-chose. C'est souvent la même chose qui revient. Et pendant les 20 premières années de sa vie, il était comme ça en boucle. Il n'arrivait pas à sortir de lui-même, à sortir de ce qui l'empêchait d'écrire, de vivre. Et il répétait comme ça, ad libitum, tous les déménagements. Enfin bon, c'était, il y a un côté comme ça... qui tourne en boucle, comme un disque qui tourne en boucle. Donc. Et du coup, moi, dans le livre, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait comme deux parties. Dans la première, en fait, où justement, on a tous ces déménagements, tous ces chamboulements dans sa vie. On a l'impression que, du coup, en 20 pages, on a l'impression d'avoir couvert 10 ans. Et à la fin, tout d'un coup, on nous assène, il vient d'avoir 19 ans. Il a 22 ans, il n'a pas 26 ans. Et donc du coup, on a cette impression d'un temps dilaté, et en fait on se rend compte qu'il s'est passé énormément de choses en peu de temps, avec cette impression de précocité. Ouais. Et la deuxième partie du livre, où il y a un basculement, où là on commence par des dates, et tout d'un coup tout se précipite, on a juillet 75, deux pages plus loin, Noël 75, trois pages plus loin, été 76, et là on a vraiment l'impression du compte à rebours. Comme on commence par sa mort, on sent que tout d'un coup ça se précipite. Mais c'est comme un sablier qu'on retourne. Au début, ça passe très lentement, et puis quand on y reste de moins en moins de temps, ça s'accélère. C'est ça. Il y a vraiment ce sentiment d'urgence. Ouais. Et puis, d'urgence, et en même temps, vous disiez à 26 ans, j'aime bien donner des repères sur l'âge des gens. Je me dis à chaque fois quand je l'arrive, mais il a quel âge ce gars-là? J'aime bien savoir. Ouais. Ouais, parce que ça change 40, tout. À 26 ans, lui, il avait déjà vécu. 10 000 vies, quoi. Il est marié, il a deux gosses, il a vécu dans 50 endroits différents, il a fait tous les boulots du monde, il est alcoolique, enfin bref, il a fait des ateliers d'écriture un peu partout, et il est déjà épuisé, il est fatigué de la vie. La vie le fatigue, quoi. Vraiment, il n'en peut plus, il a 26 ans. Donc il faut vraiment rappeler ça, hein. C'est pas, il n'a pas 77 ans, il a 26 ans, il n'a encore rien fait, et la vie l'a déjà éreinté. Parce qu'il n'arrive pas à sortir, il est dans une intensité qui fait qu'il brûle. Donc, et à la fin de sa vie, par contre, alors évidemment, ça va s'accélérant. Et quand le temps, moins il nous en reste, plus il passe vite. Hein. Les 10 dernières années, elles sont filées, il l'a dit. Hein. À partir du moment où il a arrêté de boire, il a eu 10 ans de répit et d'une vie magnifique. Et ça a passé comme ça. Et c'est peut-être aussi ce que j'ai voulu rendre. Que tout d'un coup, c'est fini. Il vient de s'en sortir, il commence à écrire ce qu'il veut, il a du succès. Et on lui dit stop, c'est fini. Il y a aussi cet enjeu du temps, même pour l'écrivain. C'est un luxe d'avoir le temps d'écrire. C'est le plus grand luxe. C'est pas l'argent, c'est le temps. Et il y a souvent cette idée qui revient, justement, avec ses ateliers d'écriture quand il est étudiant. L'idée que ça lui fait gagner du temps. Et la vie est courte quand on veut s'y mettre. Quand on s'y met tôt et qu'on a des choses à dire, on se dit qu'on n'arrivera jamais à tout dire. Lui, il se sentait capable d'écrire beaucoup. Donc oui, gagner du temps, éviter les écueils ou... Et pour sauter un petit peu, non pas des étapes, mais progresser un peu plus rapidement pour pouvoir avoir les pleins moyens d'expression pour pouvoir dire ce qu'il avait à dire, ça c'était important. À la fin de sa vie, il avait signé 3 contrats pour un nouveau recueil de poèmes, un nouveau recueil de nouvelles et écrire ses mémoires. Donc il avait encore plein de choses à dire. Ouais. Donc est-ce que finalement ça pourrait pas s'appeler devenir Carver et vite? Peut-être il sentait au lui, il le dit d'ailleurs dans le livre, il sentait qu'il mourrait jeune. Il a toujours eu cette intuition parce qu'il a perdu son père qui avait l'âge de 53 ans. Et il s'est dit, mais moi je ne ferai pas de vieux os, je suis cramé avec ce que je me suis enfilé, avec la vie que j'ai, je ne ferai pas centenaire. Il a toujours un sentiment d'urgence. Donc, et c'est pour ça que quand il est mort, quand il a appris qu'il allait mourir,
Il s'est dit, mais je suis pas étonné, ça l'a pas étonné. Il disait, je savais, mais j'ai 50 ans, mais j'ai vécu. Pas deux vies, mais 10 vies. Donc, voilà. Et puis en 10 ans, il écrit... Il écrit toute son œuvre, hein, il écrit 11 livres. si on le connaît aujourd'hui, c'est beaucoup pour ces 10 dernières années. Enfin, 10 livres, même plus que ça, parce qu'aux États-Unis, c'est des anthologies, puis il y a des reconstructions de trucs. Il y a, je sais pas, une cinquantaine de livres de Raymond Carver, des éditions limitées, des anthologies personnelles où il a sélectionné ces trucs, ces trucs de jeunesse, early writing, on n'a pas tout ça en France, mais il y a plus de choses encore aux États-Unis. Toutes ces nouvelles aux États-Unis sont parues dans différentes versions. On n'en a eu qu'une, à part les dernières où on a deux, mais il y a parfois 5 ou 6 versions différentes de ces nouvelles qui ont été publiées. Donc ça fait beaucoup plus de choses. Avant de donner la parole au public, on peut peut-être du coup lire le poème. Oui, c'est bien. Allez. Le projectile. Le projectile. Pour Haruki Murakami. We sip tea, politely musing on possible reasons for the success of my books in your country. Sommes passés à une conversation sur la douleur et l'humiliation que tu dis trouver et trouver encore dans mes nouvelles. And that element of sheer chance. Comme tout cela se traduit en termes de vente. I looked into a corner of the room. Et pendant une minute, j'avais de nouveau 16 ans, zigzagant dans la neige, dans une berline Dodge des années 50, avec 5 ou 6 gus, faisant des doigts à d'autres gus qui criaient et bombardaient notre voiture de boules de neige, snowballs, de cailloux, gravel, de vieilles branches d'arbres. We spun away shouting, and we were going to leave it at that. Mais ma vitre était baissée de 7 cm. Only 3 inches. J'ai braillé une dernière obscénité et vu ce type préparer son lancement. D'où je suis maintenant, j'imagine le voir arriver. I see it coming. Le voir fendre l'air pendant que je le suis des yeux, comme ces soldats du début du siècle dernier suivaient la trajectoire des boulets volés vers eux, en restant immobiles, paralysés par une effroyable fascination. But I didn't see it. J'avais déjà tourné la tête pour blaguer avec mes potes, quand quelque chose a heurté le coin de mon crâne si fort que j'en ai eu le tympan crevé avant d'atterrir sur mes genoux intacts. A ball of packed ice and snow. The pain was stupendous, and the humiliation. Ça a été affreux que je me mette à chialer devant ces durs qui beuglaient. Quel poisse, sale accident, une chance sur un million. Million. Le type qui l'avait lancé, il devait être stupéfait et fier de lui pendant que les autres le félicitaient en lui tapant dans le dos. Il a dû s'essuyer les mains sur le pantalon et traîner encore un peu avant de rentrer chez lui pour dîner. Avec l'âge, il a eu sa part d'échecs et s'est noyé dans sa vie, comme je me suis noyé dans la mienne. Same as I got lost in mine. He never gave that afternoon another thought. And why should he? So much else to think about always. Pourquoi se souvenir de cette stupide voiture chassant sur la route, puis tournant le coin et disparaissant? Nous levons poliment nos tasses dans la pièce, une pièce où un instant, quelque chose d'autre est entré. A room that for a minute, something else ended. Est-ce que vous avez une question? Ce matin, il me semble que vous avez dit que... Mais ce matin, j'étais pas moi-même. Hein. Vous arrivez d'écrire avec de la musique. Ouais. J'aurais aimé savoir avoir plus de détails. Enfin, c'est quelque chose qui me laisse perplexe parce que la musique, ça nous met tout de suite dans une ambiance. Et je me demande, est-ce que par exemple, ça vous a... enfin, pendant que vous écrivez ce livre, vous pouvez écouter plusieurs musiques différentes. Souvent les mêmes choses que je peux mettre en boucle, finalement, c'est une façon de s'immerger. C'est pas pour écouter de la musique, c'est une façon peut-être de me couper encore plus de l'extérieur, parce que je l'entends, mais à la fois je suis pas vraiment, j'ai pas les émotions de la musique réelle, parce que c'est une façon d'immerger, j'écoute des choses plutôt calmes, des ambiances vraiment, des drones, des bruits blancs, des choses comme ça qui me permettent de la musique un peu... Oui, très calme, ambiante, comme on dit, ou du jazz, des petits trios, tout calme. Voilà, ou la musique classique, le Bach, beaucoup, parce que je la connais bien, elle ne me surprend pas, donc ça me permet de m'immerger. Hein, mais ce n'est pas pour me stimuler, pas vraiment. C'est au contraire pour essayer de me concentrer, paradoxe, mais concentrer, et puis d'avoir cette ambiance-là. Et
comme une lumière qu'on mettrait. Et est-ce que vous avez écouté de la musique que Carver aurait pu écouter ou... Non, parce que lui écoutait... Oui, je sais un peu ce qu'il écoutait en classique, c'est pas ce que j'écouterais moi en travaillant. Et puis il écoutait aussi, c'était un fan de Bob Dylan, de tous ces gens qu'il a croisés, les Rolling Stones, Roy Orbison. Il adorait Mozart, concerto pour clarinette, ça va. Edith Piaf, hein, il écoutait beaucoup de musique comme ça, mais c'est pas ce que je mettrais moi pour travailler. Parce que ça pourrait être des témoins comme les photos que vous avez... Oui, mais bon, je connais un petit peu... pas m'être écouté Edith Piaf pour... Mais ça m'intéressait de savoir ce qui pouvait le toucher, ça évidemment, dès que je pouvais avoir ces informations sur ses lectures, vraiment c'était important pour moi, pour savoir comment il se dirigeait, vers quoi il allait, la musique qu'il aimait, ou les films qu'il pouvait apprécier, tout de suite pour moi ça me renseignait, c'était important de savoir. J'ai par exemple lu des découvertes des auteurs, dont il parlait, que je ne connaissais pas forcément. Je suis allé voir pourquoi il disait ça, ça m'intéressait beaucoup. Il faut lire beaucoup, je pense, pour écrire. C'est Leclésio qui disait ça, il faut lire beaucoup pour écrire, ou avoir lu beaucoup avant de se mettre à écrire, c'est important. Pas pour copier, pas pour avoir des choses en tête, justement pour les avoir assimilées, pour voir comment les autres s'y sont pris, pour dire quoi. Et comment nous, à partir de nous-mêmes, on peut dire quelque chose qui peut-être n'a pas été fait encore, parce que on ne peut pas refaire ce qui a été fait. Par exemple, quelqu'un qui se mettrait à écrire comme Marguerite Duras aujourd'hui, on serait dans le pastiche tout de suite, c'est pas possible. Donc c'est bien de savoir un petit peu ce qui a été fait dans différents domaines et ce vers quoi nous, on peut faire et vers quoi on veut se diriger. C'est pour ça que c'est important de dire toujours. Et puis l'écriture peut aussi, sans nous influencer, nous stimuler. Ça, c'est moi, parfois, il y a des écrivains qui m'ont donné envie d'écrire. Mais pas du tout pour les copier, pour écrire ce que j'avais à écrire moi. Un engagement, on sent une énergie, on sent une nécessité qui nous stimule et qui nous pousse à écrire ce qu'on a écrit. C'est important. Je ne connaissais pas du tout Carver avant de découvrir votre livre. Et j'ai eu un parcours scolaire guitare très, très classique. Du coup, on m'a beaucoup parlé de Kerouac, de Faulkner, d'Hemingway, jusqu'à Melville et Whitman. Et j'aimerais savoir... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le temps de rentrer encore dans les classiques? Pourquoi on n'en parle pas encore Il a un handicap. Bon, il l'a été, hein, parce qu'à l'époque, ou quand même à son époque, c'était l'écrivain contemporain de son temps le plus étudié à l'université, dans tous les ateliers d'écriture. Mais il a un handicap, c'est qu'il n'a pas écrit de roman. Et pour passer vraiment à la postérité, pour être reconnu, vraiment, c'est le roman qui prime, même aux États-Unis. Parce qu'en général, ça arrive fréquemment, il y a des jeunes écrivains qui commencent par des nouvelles qu'on connaît aujourd'hui, vous pouvez citer plein de noms, et qui tout de suite après passent au roman. Commencent par des nouvelles, mais il faut écrire un roman, c'est le passage obligé. Et lui n'a pas écrit de roman, alors je pense que c'est un sérieux handicap. Alors que lui disait qu'il vaut mieux écrire un chef-d'œuvre de la nouvelle qu'un mauvais roman, ou même qu'un roman moyen. Tchekhov non plus n'a pas écrit de roman. Il écrit des longues nouvelles, il y a un témoignage sur Sakhaline, qui sont des livres un peu plus gros, mais on connaît et pour son théâtre et pour ses nouvelles. Pourtant, c'est un des plus grands. Mais aux États-Unis, évidemment, tous ceux que tu as cités avant ont écrit des chefs-d'œuvre sur la route, Melville, Moby Dick, donc forcément là, ils sont dans tous les... On les étudie à l'école. C'est les grands classiques comme nous, Madame Bovary ou Rouge et Noir. Mais c'est un classique de la nouvelle, hein. Je pense que... Il fait vraiment partie des grands, Tchekhov, Sherwood Anderson, Hemingway, qui est finalement aussi connu pour lui, il a écrit le roman, mais peut-être son plus grand art était aussi celui de la nouvelle, je pense. Donc il a eu la chance de pouvoir faire les deux, mais aux États-Unis, et même je pense dans la littérature mondiale, il fait partie des grands nouvellistes, ça c'est sûr. Il écrivait de la poésie, alors que les autres n'ont pas écrit de poésie. Donc, mais évidemment, un genre un peu mineur, un peu moins grand public. Il y a des grands poètes qu'on ne connaît pas, qui ne sont même pas traduits des Américains, parce qu'ils écrivent de la poésie. C'est injuste, parce que c'est pas simplement moins lu. Il y a moins de public pour ça, mais ça n'enlève rien à la grandeur de leur œuvre. Ça, c'est sûr. Et est-ce qu'il était proche du théâtre, ou est-ce qu'il a eu une envie de... Il a écrit deux pièces, quand il était jeune. C'est des pièces vraiment sous influence, un petit peu du théâtre anglais, de l'absurde, un petit peu, pas... Comment s'appelle-t-il ? Pinter. Pas vraiment de l'absurde, hein. C'est pas rhinocéros, c'est pas
UNESCO, plus du théâtre de la terreur, de la tension. Ouais, il devait se passer quelque chose, une très grande tension, un peu fantastique presque, dans des choses du quotidien, où émerge un peu une sorte de folie, de, comme ça, ça l'intéressait. Il a écrit deux petites pièces, en un acte, qui sont bien, qui n'ont pas été publiées, qui sont traduites, mais qui ne sont encore pas publiées, malheureusement, et qui mériteraient d'être publiées, parce que je pense que sur les deux, ça intéressera beaucoup de metteurs en scène, parce qu'on pourrait monter les deux, faire deux tableaux, à partir de ces pièces en un acte, il y aurait un beau spectacle. Et c'est fort, hein, malgré tout, même si c'est des pièces un peu de jeunesse, et il a déjà un truc de Carver, voilà. Il y en a une qui se passe dans un magasin de fringues, des nanas qui discutent entre elles, et à la fin, on est étourdi, quoi. Il se passe un truc, waouh, ça fait froid dans le dos, apparemment une situation des plus banales. Et là, il y a des comédiennes qui s'éclateraient à jouer ça, parce que c'est, il y a une violence, une acidité tout d'un coup qui fait froid dans le dos. Donc, on espère qu'elle soit publiée et jouée. Mais après, non, il s'est consacré à la, évidemment à la nouvelle, et il a arrêté le théâtre. Peut-être il aurait eu après des possibilités, je pense. Il n'a pas eu le temps. Le roman, c'est pas vraiment qu'il n'a pas eu le temps. Non, le roman, c'est pas qu'il n'a pas eu le temps. Ça, il l'a reconnu. Il a essayé. Et même, il toujours, il disait, faut que j'écrive mon roman. Il a même touché une avance pour écrire son roman. Il avait claqué avant de commencer. Et il a essayé. Il s'y est mis plusieurs fois. Et au bout de 3 semaines, il disait, il s'ennuyait. Il commençait à bâiller et ça, il pouvait pas. Et il sentait que ça pouvait être bien, mais que c'était pas grandiose. Et il pouvait pas passer 2 ou 3 ans de sa vie sur un livre qui serait pas un grand livre. Donc il a dû y renoncer, un peu la mort dans l'âme, mais c'est aussi l'entourage qui lui disait quand est-ce écrit ton roman, parce que c'était le passage obligé. Et donc il a reconnu honnêtement que c'était simplement passe à distance, comme un coureur de fond. Un coureur de 100 mètres peut pas passer aux 1500 mètres sans peiner. Et lui, c'était une distance brève, quoi. Nouvelles, poèmes, voilà. Et peut-être il aurait pu écrire, je pense, des nouvelles un peu plus longues. Il avait cette ambition de passer à la novella, c'est-à-dire à des nouvelles qui sont entre le roman et la nouvelle, des nouvelles de 100 pages, donc déjà une longue nouvelle, ça aurait été aussi une distance, je pense, qui aurait pu lui convenir. Ouais. Tu écris des poèmes, toi ? J'ai écrit des poèmes une fois, parce que j'avais pensé que jamais de ma vie ça m'arriverait. Et puis un jour, par hasard, je dirais, je ne sais pas comment c'est venu, j'en ai écrit un. Et puis en fait, c'est comme une pelote qu'on tire et qui se dévide comme ça. Et j'en ai écrit toute une série. Mais vraiment comme ça, je ne cherchais même pas, ça venait à moi. Voilà, j'ai écrit une dizaine, je crois, de poèmes comme ça. Et puis ça s'est arrêté, comme c'était venu. Donc je n'ai pas cherché à forcer, parce qu'on ne peut pas se forcer à écrire de la poésie, on ne décide pas. Donc voilà, peut-être ça se représentera ou pas. Mais... voilà. Est-ce que c'est facile d'être constant dans son écriture, dans son style, quand on met plusieurs années à écrire un roman ? Non, c'est du travail. Il faut toujours se reconcentrer, reprendre revoir ce qu'on a écrit, pour toujours tenir une note, hein, jamais dévier, parce que bon, des fois on n'est pas en forme, ou des fois on reprend après une petite interruption. Il faut toujours se reconcentrer, vraiment, pour que ce soit cohérent à tout niveau. C'est difficile. C'est comme un chef d'orchestre qui tiendrait les cordes, les cuirs. Il faut que tout soit harmonieux, sinon on sent bien que c'est ça, mais pas tout à fait ça, donc ça ne convient pas. Il faut travailler beaucoup et se concentrer. Et ce qui est important pour vous qui voulez écrire, c'est la continuité. Parce qu'écrire une fois de temps en temps, ça m'arrive comme à tout le monde, on a tous parfois des contraintes. Et là, on perd quelque chose, parce qu'il faut reprendre, il faut se remettre dans le truc et on perd du temps. Et surtout, c'est que la continuité, quand on a la chance de pouvoir travailler plusieurs jours, plusieurs semaines sur le même show, on se rend compte que ça fait naître des choses auxquelles on ne pensait pas. Le fait d'être dedans, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui vient enrichir notre texte. Et ça, on ne pouvait pas préméditer ça. Hein, ça vient comme ça, et ça, c'est le propre de la continuité. C'est pour ça que vaut mieux, des fois, se consacrer à une chose à fond pendant un mois que d'être sur un texte pendant un an, sur une semaine par-ci ou une heure par-là, vous voyez. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut naître quand on est vraiment dedans. Des choses auxquelles on ne pense pas forcément, et qui vont venir enrichir le texte, qui vont nous surprendre. On se dit, c'est super, parce que je n'avais pas forcément pensé à ça, je n'ai jamais pensé à ça, et tout d'un coup, c'est là, grâce à cette continuité. Quand on est immergé vraiment dans un texte, on est dedans, même quand on arrête de travailler, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, c'est pas parce qu'on quitte sa table de travail qu'on arrête de travailler. Ça nous habite tout le temps.
Voilà, il m'arrive au supermarché ou d'écouter un truc, ou dire « Ah, mais c'est le mot que je cherchais. » En fait, même des fois, ça continue à tourner. C'est le truc-là qui tourne. Et même des fois, la nuit, ou trois semaines après avoir un adjectif, je dis « Mais c'est pas ça que je voulais dire. » Et en fait, ça continuait à chercher. Et c'est celui-là que je cherchais, cette nuance précise, elle est là. Donc on vient faire une petite correction. Et pour ça, il faut être dedans. Quoi. Ça naît comme ça. Parce que je pense que l'esprit travaille, même quand on pense arrêter. On est vraiment dans un texte. Puis les lectures et ce qu'on voit, les images, ça peut aussi nous influencer, dans le bon sens du terme. Ça peut venir enrichir le travail. Une fois d'entendre une expression, on se dit, tiens, je vais recaser cette expression parce que ça me paraît juste. C'est exactement ça, le ton que je cherchais, le mot, ou même un sujet, ou même une scène. Hein, des fois, nous arrive, ou une réplique dans un livre, on se dit, ça, cette réplique, en fait, je vais la développer, je vais en faire un petit truc. Donc, il faut être toujours un peu dedans, concentré là-dessus. C'est un luxe, je disais, le temps, l'écriture, c'est le luxe, hein, c'est ça, pouvoir être dedans. Et je pense que les écrivains qui font naître quelque chose ont cette force de concentration, c'est-à-dire de ne pas quitter, de quitter leur table de travail, mais d'être toujours dans leur texte. Carver, il avait ça. Il n'écrivait pas tout le temps, hein, il y avait plein de moments où il arrêtait, mais toujours on l'observait. C'est un conseil que lui avait donné son premier professeur, de toujours être en alerte, toujours parce que si on y met un peu d'attention, si on se concentre, si on sait observer et après traduire, chaque moment de la vie, les situations les plus simples, peut devenir de la littérature. Parce que la littérature, c'est quoi? C'est pas des grands événements, des grands sentiments, ou des trucs vraiment multipliés par... Non, la littérature, ça peut être... il suffit que ce soit dit précisément, où l'expression est juste, où l'émotion passe. Et Carver, en permanence, il avait des antennes. C'est pour ça que c'est un grand observateur. Et il lui arrivait d'être un mois sans travailler, mais il n'empêche qu'il il s'est jamais mis à son travail en se disant « qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire ?» Il savait directement où il allait, il cherchait pas les sujets venaient à lui, il aurait pu écrire comme ça. Toutes ses nouvelles, elles étaient en lui, quoi, parce que la force d'observation, la force de... Voilà, ça le traversait, c'est ça qu'il devait écrire. Il s'est jamais dit « là, il faut que je trouve un sujet, je sais pas sur quoi écrire. » Pas du tout, à chaque fois, boum, ils font ça, c'était évident. Je ne posais pas la question. J'ai une question. Vous parlez tout à l'heure du début du travail d'amélioration du texte. Ouais. Donc maintenant, on sait quand c'est qu'il commence, mais quand c'est qu'il finit? Quand c'est qu'on sait qu'il est fini? Comment on décide? Est-ce que c'est l'échéance, la deadline qui détermine, ou est-ce que on peut y arriver seul? Ouais, c'est pas évident, ouais, à un moment il faut lâcher parce qu'on peut pas non plus être en boucle en se disant, il y a des écrivains que je connais qui sont sur deux années. Est-ce que c'est l'usure ou la satisfaction? Est-ce que, ou un mélange? Non, je pense quand même qu'on doit avoir le sentiment d'être parvenu à un truc, d'avoir réussi à dire quelque chose, même si on sait que ça peut toujours être amélioré. Mais il y a un moment où, souvent quand on fait une correction, qu'on change une virgule, qu'on la met ailleurs, puis au bout d'un moment on remet la première virgule exactement à l'endroit où on l'avait mis, on se dit là peut-être j'ai fait un tour, j'ai essayé différents trucs, c'était peut-être le bon truc donc j'y toucherai pas. Mais je pense qu'il y a un moment où on se dit ça tient, quoi. Voilà, l'essentiel est là, même si après il est toujours bien d'avoir un œil extérieur. Ça c'est évident, que quelqu'un qui ne connaît pas le texte, parce qu'on ne voit plus un écrivain qui a passé du temps, moi, on ne voit plus ni les fautes d'orthographe, ni les répétitions, ni des choses des fois évidentes qu'on a sous les yeux, on ne voit plus. Et là, quelqu'un qui va découvrir le texte va pouvoir pointer certaines choses, améliorer une répétition au niveau, voilà, ou peut-être même au niveau du récit, hein, ou à retirer. C'est souvent, moi je me suis rendu compte que bien souvent faire progresser un texte, c'était retirer des choses. Ça peut paraître au début, quand on commence à écrire, terrible, parce que oh là là, on n'est pas prêt à effacer des choses, mais bien souvent ça enrichit le texte de laisser l'essentiel. Il y a une phrase du cinéaste, encore une fois danois, Dreyer, qui a écrit « l'essentiel suffit ». Et voilà, donc voilà, l'essentiel suffit, quand tout est en place, quand on a dit l'essentiel, c'est parfait. Même si on peut toujours après, jusqu'à la publication, changer des coups. Mais faut, à un moment, il faut abandonner, quoi, passer à autre chose, parce que sinon... puis au bout d'un moment, on a envie d'en sortir aussi, passer à autre chose, hein, pour... Comme là, Bonaparte, le dernier qu'elle a eu plus tard, 10 ans pour... Ouais, mais elle en écrit un tous les 10 ans. Oui, mais c'est quand même là, au niveau romanesque, vraiment, elle est dans le pur roman. Ouais. Bon, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai
a eu de très bons échos. Il paraît qu'il y a une richesse, vraiment, beaucoup de recherches dans différents domaines. Donc, c'est beaucoup d'informations qui sont comme ça fondues dans une narration avec des personnages, enfin, beaucoup d'un travail de recherche et à la fois un gros, gros, gros travail parce que son livre, c'est 900 pages, mais peut-être qu'à l'origine, il en faisait 2000. On part souvent, elle a besoin de partir de très loin pour après rassembler. Mais il paraît que c'est impressionnant au niveau de la richesse, du foisonnement et de la richesse des personnages et de l'intrigue. Donc, c'est une marathonienne, du coup. Ouais, c'est une marathonienne. John Irving, il écrit toujours des pavés. Il y a des gens, ils sont faits comme ça pour se déployer sur des grandes histoires, sur des générations, sur des sagas. Il y a des écrivains comme ça. Le tout est de trouver sa distance. Il n'y a pas de plus grande. En qualité, je veux dire, il y a des gens qui écrivent des petits romans. Annie Arnaud, c'est toujours 120 pages. Ça n'enlève rien à son exigence, à la qualité vraiment de ce qu'elle produit. Et l'autre, ils ont besoin de romans comme ça, parce que c'est là qu'ils se développent, c'est là qu'ils se font plaisir, qu'ils se sentent au mieux. Donc ils ont besoin de... John Irving a besoin aussi de s'immerger dans différents domaines pour avant d'écrire. Il va voir des choses qu'il va raconter plus tard, mais il a besoin d'aller voir sur place. Enfin, il étudie beaucoup dans le détail des choses avant de les raconter, parce qu'il faut que ce soit crédible. Bon, au travail alors. Un écrivain est un écrivain quand il est derrière sa machine à écrire. En dehors, c'est un commentateur. C'est un commentateur de son travail. On est écrivain derrière son bureau. C'est important de le savoir. Parce qu'il y a des gens, les écrivains, je ne comprends pas, ils peuvent passer leur vie à parler de l'écriture. Toute leur vie. Ils ne sont pas beaucoup derrière leur machine à écrire. Merci. You were the lone star, and they left you there where you fell. Another distraction, another coin in the wishing well. They're gonna ignore you, tell you to keep those thoughts inside, then they'll forget you, and you'll always wonder if you even try. Holding back and pretending not to be what you wanna be, what you wanna be. Holding back and pretending not to be what you wanna be, what you wanna be. Pretending not to be what you wanna be, what you wanna be.